Première défaite de la Côte d'Ivoire, pays organisateur contre le Nigeria. Un match qui s'est déroulé hier au stade Alassane Dramane Ouattara de Pimpé. Et à la fin de ce match, nous avons tous vu que le Nigeria avait mené 1-0. Mais quand on voit ce match en profondeur, on se dit que la Côte d'Ivoire a déçu beaucoup de personnes, et même moi y compris, parce que je n'arrête pas de le dire que j'ai 5 favoris dans cette CAN et que la Côte d'Ivoire et la Guinée font partie. Ce qu'il faut dire, c'est que beaucoup de personnes s'attendaient à une réaction plutôt bizarre sur les réseaux sociaux, comme ce que nous avons vu avec nos frères camerounais. Mais ce qui est étonnant, c'est que les Ivoiriens sont restés calmes et au contraire, ils ont continué à supporter leur équipe. Dans cette vidéo que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est des réactions plutôt étonnantes et inattendues quand on voit les supporters ivoiriens toujours fiers de leur équipe et aussi fiers de la prestation qu'ils ont faite hier. Pour moi, les deux équipes ont fait une très bonne prestation hier, le Nigeria comme la Côte d'Ivoire. Mais quand on parle le Nigeria était imposant. Le Nigeria nous a montré qu'ils veulent réellement gagner ce match parce que c'est un match capital pour eux. Et c'est la même chose qu'on voulait voir aussi de l'équipe ivoirienne, puisque ce sont eux les pays organisateurs. Mais en plus de ça, ils ont un très bon effectif sur le banc comme dans le terrain. Mais on a vu un manque de gagner sur le terrain. Et même quand on voit à côté, des légendes comme Drogba étaient réellement un peu stressés rien qu'en regardant ce match. On vient d'entendre dans les tribunes des supporters qui sont en train de dire « Hey Drogba, il faut rentrer dans le terrain, il faut rentrer pour jouer et marquer pour nous ». Il faut reconnaître que le temps de Drogba est déjà passé, il nous a fait rêver beaucoup, surtout quand il jouait pour l'équipe nationale et aussi en Chelsea. De l'autre côté, d'autres personnes sont en train de dire « De la manière dont tu es stressé comme ça, Drogba, c'est comme ça aussi on était stressé quand vous, à votre temps, vous étiez aussi joueur national ». Sur les réseaux sociaux, les réactions sont multiples. Ce n'est pas que seulement des bonnes réactions qu'on va essayer de montrer, surtout la positivité des Ivoiriens, mais aussi il faut parler de ces blogueurs qui ne sont pas contents quant à la performance de l'équipe nationale, mais aussi surtout de l'entraîneur de l'équipe ivoirienne. Mesdames et messieurs, je suis dessus.
totalement dessus parce que c'est inadmissible et inconcevable. Ouais. Que la Côte d'Ivoire puisse perdre dans sa canne, dans son stade, devant son peuple, devant son président, devant les supporters, devant le monde entier. L'Amérique, l'Asie, l'Antarctique, l'Océanie et le continent africain. Oh Seigneur Jésus, merde! Je suis déçu. Il n'y a pas crié. Une salopard qui met tous les bons joueurs sur le banc de touche. C'est pas possible qu'on puisse avoir un entraîneur aussi méchant. La Côte d'Ivoire n'a pas un entraîneur de football. La Côte d'Ivoire est un professeur d'épices. Tous les bons joueurs sont sur le banc de touche. Donc on peut jouer comme ça. Il est sur le banc de touche. Un entraîneur qui n'a aucune tactique. Aucun fond de jeu. Un professeur de gymnastique qui est archi nul. On joue notre deuxième match contre une grande nation de football qui est bien sûr le Nigeria. Tous nos meilleurs joueurs sont sur le banc. Nicolas Pépé sur le banc de touche. Ouais. Miles Gradel sur le banc de touche. Merci. 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 Chez nous, dans notre pays, sur notre terrain, on remplit stade. On nous met des joueurs qui n'ont rien fourni en première mi-temps. Des actions boiteuses, calamiteuses, scandaleuses, honteuses. On prend un penalty. On nous en tue. Et la Côte d'Ivoire est incapable de revenir au score. Un seul but. C'est avec une équipe comme cela que vous voulez gagner la CAN? Une équipe aussi médiocre, faible, André Coton. C'est avec une équipe comme ça, vous voulez gagner la CAN? On nous bat chez nous. Le penalty, ok. Mais la Côte d'Ivoire est incapable d'égaliser, ne serait-ce que un seul but. Un seul. Un seul. On peut nous faire ça, nous. Notre propre pays. On a mis tous les milliards pour organiser une compétition. On nous en cul. On dit cherchons entraîneur, c'est pas l'argent qui manque. Voici. Un vieillard de 80 ans qu'on nous amène. Notre propre canne chez nous, on nous bat chez nous à domicile dans notre stade. Et on nous encule. Devant le premier ministre, devant le président, devant tout le monde, on dit on nous bat. C'est honteux. C'est scandaleux. La colère qui m'anime est tellement grande que je me dis qu'il faut que je vous parle tranquillement. On n'a pas un entraîneur. On n'a pas du tout un entraîneur. On est un professeur d'EPS, de gymnastique, de. Je sais pas, mais en tout cas, lui là. Il est tout, sauf un entraîneur. On dit colon, on dit non, on prend un vieillard qui nous donne. Qui n'a jamais joué au football, ne connaît pas quelle est sa carrière. Qui n'a jamais été capable d'entraîner une équipe africaine qui a eu à gagner quoi que ce soit. On nous prend ce vieux blanc, on nous donne. Il y a des Africains compétents, il y a des Ivoiriens compétents. On prend ce vieillard, on vient, on nous donne. Il est méchant, il est méchant, il est méchant. Entraîneur là, il est méchant. Entraîneur là, il est méchant. Il est méchant. Moi, t'ai dit ça. Et puis avoir le barbier de bâtard de qui m'a appelé pour dire non, ma console, c'est-à-dire que tant de fois m'a appelé. Quelqu'un n'est qu'à m'a tonchonné mon téléphone. Non, ma console, découragement n'est pas ivoirien. C'est ta maman qui n'est pas ivoirien. C'est ton papa qui est ici. Bab. Nous ne sommes pas encore très loin dans cette CAN et la plupart des équipes qui sont venues ici dans cette compétition en tant que favorites ont eu soit des difficultés dans leur premier match ou bien dans leur deuxième match. Mais pour l'instant, on sait que quelques équipes se sont bien en sorties comme le Maroc et beaucoup d'autres équipes. Mais ce qu'il faut dire, c'est cette positivité des Ivoiriens, des supporters qui sont dehors et qui sont encore en train de donner la force à leur équipe nationale avec des bons mots et surtout avec des critiques et suggestions qu'on peut toujours accepter avec courtoisie. Allez, 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 allez,
Je suis très très déçu. Mais alors très très déçu. Je pense que c'était un match décisif. Donc il devait mettre l'équipe, les joueurs qui ont joué pendant la deuxième mi-temps. Voilà. Et je pense que s'il avait pu aligner ces joueurs-là, on aurait gagné. Mais ça va, j'en ai compris. On est gagné. C'est pas possible. Comment critiquer les repères? Non, Anthony. Je dis, moi je dis l'entraîneur, il a manqué de charisme. Et on a vu le match de Mali. Quand c'était chaud sur le milieu de terrain Bissouma, l'entraîneur a eu le courage de le faire sortir. Pourquoi il attend jusqu'à qu'on soit mené avant de faire sortir les caissiers et autres qui flottaient? Tout à fait, mon Dieu. Pourquoi? Il y a un truc qui n'est pas là. Dès qu'on vient de la mi-temps, il peut faire le remplacement. Il faut qu'il change les choses. Ils disent qu'on a ramené les supporters, on est là. On avait près de 50 000 personnes. Nous étions là. Nos voix sont partis. Il faut que ça change. Voilà, on n'est pas content d'eux. Hein? On n'est pas content. Il va comprendre qu'on veut aligner Grasso, caissier et puis Kwame. Kwame, franchement, il est très nul. Un joueur qui est sur le côté, il ne sait pas dribbler, il n'est pas rapide. Comment on peut mettre un joueur de ces gens comme ça? Si ton nom, on ne paye pas ticket. Aujourd'hui, on a payé ticket. VIP, 10 000, catégorie 1. On est venu au stade. Regarde ce qui s'est passé. Bon, quand plus venu au stade là pour les soutenir, on dit que les Ivoiriens sont pas pour les soutenir. C'est quoi ça là? C'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça là? Annie Maillot, 60 000. Tu donnes 60 000 à 100 francs comme la monnaie, ton transport. Tu vois? Bon, c'est un peu décourageant, frère. C'est qu'un mauvais moment. On t'a voiture en bas, on marche 2 km avant d'arriver. Voilà, garé. Tu arrives ici, là, tout le monde est mouillé. Ça va, moi, tu es mouillé. Même si tu es malade, la patrie. Là, c'est du fond. Ils sont méchants. Vous avez raison. Moi, je prends des maillots. Mais les Ivoiriens, ils voulaient tous. C'est vraiment les dossiers. Moi, personnellement, j'ai cru que hier sur les réseaux sociaux, qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de disputes ou bien beaucoup, beaucoup de moqueries. Mais je n'ai rien vu tout ça parce que, voilà, on sait très bien qu'il y a des grands matchs encore qui vont arriver, soit pour l'équipe ivoirienne ou bien pour l'équipe camerounaise. On sait d'habitude que d'autres personnes vont essayer de faire de la moquerie, mais c'est le football et ça se promène avec son lot de surprises. Aujourd'hui, on va essayer de voir surtout comment est-ce que le Cameroun va s'en sortir face au Sénégal. Un très grand match surtout à regarder et mon pays va jouer aussi contre la Gambie. Un match qui est réellement à ne pas négliger parce que les deux équipes sont les équipes de petit niveau dans notre poule selon les papiers. Mais ici sur le terrain, ils sont en train de nous montrer autre chose parce que la Guinée a déjà montré un exploit avec un carton rouge contre le grand Cameroun. Espérons voir ce qu'ils vont faire aujourd'hui contre la Gambie. Merci à tous de regarder cette vidéo et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo mes frères. A plus.